Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est l'inspecteur Starbuck. On se retrouve pour la suite de The Heavy Rating. Précédemment, on s'est arrêté devant ce trou là. Et puis. Oh putain! J'ai trop de flash! Maman? Maman? Oh bah tiens, le coffre-fort il a grave changé. Il a maintenant un corps. D'ailleurs, je suis sûr. Je l'avais vu dans une vision lui précédemment. Voilà, ouais, sauf que... Ah ouais, putain, là, ça pue pour moi. Vite. Putain, c'est pas le moment. Je veux pas mourir. Je sens que cette tête de mort, elle est pas là pour me sourire. Ah, ah, c'était malin ce que j'ai fait. Maintenant, toi, tu meurs. Putain, et toi, dégage, sale tête de merde. Ah, tiens. D'accord, ok, j'ai compris, hein. J'ouvre une porte, l'autre se referme, c'est comme un sas de décompressurisation. Sauf que là, il n'y a pas un souffle d'air dans ma face. Hé les rats, vous pourriez pas achever le pauvre monsieur? Vous voyez pas qu'il souffre? Ce pauvre type. Regardez, moi je l'achève. C'est comme ça qu'on fait les rats. Bon allez, vas-y, on va placer les deux dernières pierres, maintenant que je les ai. Voilà, il y a pierre 1, il y a pierre 2... C'est un film avec des pierres, hein. C'est comme... C'est ça. Oh putain, avec des pics carrément. Te fous toi pas de ma gueule. Te fous pas toi de ma gueule. Qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, ça s'est ouvert. Bizarre. Ça s'était fermé avant. Par contre, je le sens pas. Oh putain, mais c'est qui lui? Putain, c'est comme le bourreau au tout début du jeu, que de souvenirs. Oh putain, je le sens pas. Et oh, le con, j'ai marché dans une mine. J'ai marché dans une mine, évidemment. Putain, vas-y, moi je me casse. Allez! J'étais bien ici en fait, hein. Tranquille là. Ah, n'est-ce pas, on se sent bien là. Vite! Et il faut pas que je marche dans les mines! Faut pas que je marche dans les mines! Oh bon, pour une fois, j'ai l'endurance à fond. C'est bien la première fois que j'arrive à taper un sprint sans être puisé. Mais là, c'est parce que j'ai vraiment retenu mon souffle. Par contre, toi, je te sens pas. Je te sens pas du tout, le truc, là. Allez, Leslie, sors de là! Alors, où est Kidman, putain? Hein, et t'as intérêt à me répondre à la question. Bon, d'abord, je recharge. Putain, une seule balle. Putain, des fois, ils abusent, hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire, espèce d'abruti? Oh non, c'est pas le moment! Putain, si c'est toi qui me cause ces mal de crâne, je te jure, t'en auras plus à la fin de crâne. Bonjour. Salut. Enchanté, moi c'est Castellanos. Ok, c'est bon, je me casse, j'ai compris, t'es le nouveau boss. Putain, après la meuf avec plein de bras qui sortait des trucs ensanglantés et tout. Putain, on a le mec qui sort des coffres forts. Putain de merde. C'est bon, je l'ai eu. À grenade, carrément. Meurs. 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 C'est bon, t'es mort. Je l'ai eu. C'est bon. Oh non, pas encore du gaz, putain. Mais fais chier, pas vrai, c'est pas vrai, putain. Il y a trop de coffres, en plus, j'ai compris. Le mec, il va revenir à chaque fois. Eh, mec, t'as vu, j'ai réussi. Ah ah. T'es trop nul, hein, espèce d'abruti. Ah ah ah. Je veux plutôt aller là-bas d'abord. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu rages? Ok, si tu veux. Ouais, vas-y, arrache-toi la tête, hein, c'est bien, hein. Mec, je crois que tu craques un peu dans ta tête. Oh putain de merde! La manivelle! La manivelle! C'est bon, la manivelle, j'ai compris, je suis pas con! La manivelle, je l'ai vue avant! Regarde, en plus maintenant il brille! C'est hyper pratique, hein, quand ça brille, hein. Le grand volant permettant de fermer un volume de gaz et tout. Bon, alors toi, j'ai compris que je vais devoir me. Eh! Vas-y, fais pas chier! Attends, laisse-moi m'occuper de la manivelle, voilà et tout. Ah là, c'est bon, j'ai tout le gaz, il est parti. C'est tranquille. Wesh. Alors maintenant tu fais quoi? Maintenant que j'ai neutralisé tout le gaz. Bon, alors c'est bon, tu vas nous faire encore ton numéro. Ah putain non, il m'a fait un truc différent ce con.
Dégrage de ma tête, fumier! Personne touche à ma tête, sauf Suzette. Et là, ah ouais, 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 sauf que regarde, tu vas te prendre un tas de piques dans la face. Je vais te percer le coffre. Ha ha ha! Il est pas si fort que ça, hein, ton coffre. J'adore faire plein de jeux de mots. Hein. Pas trop tôt. J'ai fait une sacrée chute, là, par contre. Hein. Mais voilà, qu'y a-t-il dans la boîte? Ben, il y a l'inspecteur Gadget. Et voilà qui va la boîte. L'inspecteur la Gadget. Youhou. Manquait plus que ça. Après les catacombes, carrément, un dédale de grotte. Hein. Vas-y, maintenant, c'est une chartide où je suis, là. Ah, avec des tonneaux à la Resident Evil 4. Allez, vas-y, pourquoi pas. Oh, tant qu'on y est, au repompage. Je veux dire, aux références. Je peux les avoir au moins discrètement, c'est con. J'ai pas l'impression. Parce que là, j'ai beau m'approcher du mieux que je peux, je les... Ah, putain! Voilà, qu'est-ce que je disais, là. C'est quoi, ce truc? Putain, voilà, maintenant, c'est Resident Evil 4, carrément, avec les parasites et tout. Eh, les gars, j'ai joué à tous ces jeux de... Hein. Vous m'aurez pas, je... Ah, bon, déjà, je vais pas le laisser m'approcher parce que je veux pas me faire plagasser. Putain, je vais finir dans le nid, tu sais, de... un nid de xénomorphe avec la reine et tout. Franchement, ça m'étonnerait même pas du tout. Hein. Tant qu'on y est avec les références... Bon, ouais. Aïe, ça fait mal. Les gars, j'ai mal au bras. Ouais, j'ai raté une caisse, je crois, mais je m'en bats les couilles, là. Honnêtement, là, je dois avouer que je m'en fous complètement d'avoir raté une caisse. Hein. Je vais me soigner. Ouah, c'est bien. Non, mais parce que là, le truc, il n'y a pas moyen de l'esquiver. Fuck. Et là, je suis complètement à l'ouest. Les pensées suicidaires des personnalités secondaires deviennent des attaques contre la personne. Ah, tiens, ça me rappelle un certain Joseph. Je sens que... Putain, lui, si je le retrouve pas, il va se suicider juste avant, putain. What the fuck? C'est quoi, ce truc? What? C'est quoi, tout ces... Ah, putain, c'est quoi, c'est... Mais c'est quoi, ce bordel de couilles? Allez, crever, bande de con. Ah, c'est Harry. Ça m'a picoté un peu le dos. Je dois vous avouer. Et je me suis cogné le crâne aussi, hein, au passage. Hein. Tant qu'à faire... Oh putain, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Why not? Il y a des trucs qui ont pété carrément. Ah oui, c'est les enfants qui ont dû tomber. Ok, d'accord, ça a pété. Why not? Putain, j'arrête pas de rater mes tirs. Putain, j'ai hâte de raffronter quand même des ennemis normaux parce que ces infectés là, ils commencent à me casser les couilles, hein, honnêtement. Et déjà que j'ai plus qu'une couille gauche. Regardez, je fais du mime, c'est quand même impressionnant, regardez. On a vraiment l'impression que c'est juste un mur droit et tout. Alors qu'en fait, non. Note de la grotte. Je suis allé trop loin, c'était un piège, bien évidemment. Sophia a tout fait pour m'arrêter, mais bon... J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont passés dans ce monde, et j'ai l'impression que je pense qu'ils sont tous morts, hein. Ce qui me rassure beaucoup, quand même. Hein. Sophia, si j'arrive à sortir ici, je te serrerai dans les bras, je te dirai que tu avais raison et tout. Alors, si c'est toi là... Moi, je dis que t'as mal fini, hein. Alors, j'espère que c'est pas un piège. Bon, enfin, si, c'est un piège, mais... Comment tu veux que je m'en sorte, là, par contre? Faut que je balance un truc, ou ça se passe comment? Putain, m'a foutu les boules. Et y a pas moyen que je sauvegarde, donc c'est ça qui est le plus chiant. Bon, bah, j'ai une chance sur deux. C'est comme ça que j'ai trouvé. Bon, bah, je vais dire que c'est ça. Ouf. Ok. Eh, bah, je me suis dit, c'est logique, s'il est tombé, Enfin, si c'était l'autre face, enfin, je sais pas. Je m'estime heureux d'être vivant à l'heure actuelle. Alléluia. Eh, hey, y a plein de pulsions là. Et hey, les gars, qu'est-ce qui se passe? Je vais accoucher. Oh putain. Cet endroit me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir commencé le jeu dans cet endroit de merde. Ah bonjour. Ça va? Je me rappelais pas qu'il y avait cette pièce, hein. Quand j'étais venu la première fois. Ah Doc. Non. Vous m'avez manqué. Trouver le moyen d'inverser cela
si nous voulons. Ouais, je suis sûr que tu trames quelque chose. Et comment t'as fait pour perdre Leslie? Enfin non, ça c'est un truc très simple à faire. Ouais, pourquoi vous l'avez choisi au départ, un autre? Hein, c'est génial, hein, interconnecter les cerveaux, mais choisir un psychopathe comme truc central, hein. Bien sûr, vous êtes débile, hein. Je dirais qu'il veut notre mort. Sans déconner. Aïe, putain, encore le cerveau géant, là. Alors c'est toi, c'est ton cerveau, Rivik? Journal des stables de moi. 2009. Nous avons déposé Lily à l'école maternelle ce matin, c'est sa première entrée, elle est courageuse, tout ira bien pour elle. Mira bénie soit-elle, a connu 3 années difficiles, un bébé c'est un travail à plein, et elle va enfin profiter de vacances bien méritées. Je veux dire par là qu'elle revient aux personnes disparues du cas CPD. Ah c'est vrai qu'elle bossait là-bas, hein, super service. Il semblerait que le nombre de disparitions soit en augmentation, à moins de résoudre rapidement ce mystère, il ne restera plus personne pour s'en charger, tout le monde aura disparu. J'en rajoute bien sûr, mais quelque chose se trame à Crimson City et Mira va s'en charger. Elle excelle dans ce travail et elle est enchantée de retrouver son élément. Putain, si seulement elle avait su. Note du centre de recherche. Ouais, je m'en bats les couilles. Il y a des arrêts cardiaques, des arrêts cérébraux un peu partout, putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? Vite! Faut que je me casse! C'est quoi ce truc? Ah, putain, il est encore là! Putain! J'en ai marre d'être poursuivi par des affreux monstres à chaque fois. Oh, je te jure, si tu viens me dire bonjour l'autre, je te défonce la gueule. Hein. Ah, tout ça n'était qu'un affreux cauchemar. Je m'étais endormi, en fait, dans ma voiture. Qu'est-ce que vous faites? Non, je veux pas aller au bûcher, maman. Je veux juste dormir. Ah putain! Je te jure, je vais te claquer si tu me réveilles encore une fois. Ah putain, je commence à vivre les souvenirs d'un autre. Je parierais 300 000 que c'est Rivik, mais si ça se trouve, c'est Leslie. Si ça se trouve, c'est la même personne. Si ça se trouve, là, c'est en fait l'inspectrice. Enfin, qu'est-ce que je raconte, la bonasse là? C'est tes souvenirs à toi, c'est ça? Putain, cette carte. Je récupère tellement peu de morceaux que voilà, mais en tout cas, je sais que c'est Crimson City. Why not, ouais. C'est la cellule du Joker, c'est ça? Ouais, je t'emmerde, hein, je perturbe qui je veux. Voilà, hein. Parce que c'est drôle. Ah ah, et attends, je vais te piquer la place. Hé, regarde, je te pique la place, et maintenant tu fais quoi, maintenant que je suis là? Attends, et tu vas pas pouvoir reprendre ta place, hein? Non? Oh, putain! Oh, et nous ne faisons qu'un! Je suis l'inspecteur Bonas. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Les souvenirs sont très fugaces. Ouais. Les souvenirs peuvent être facilement pervertis par les autres. Moi, tout ce que je vois, c'est des putains de cafards ensanglantés qui sortent d'un tableau. Est-ce qu'il y a vraiment une signification à tout ça? Ah, putain! Je vais pas très bien là. Incendie tragique, des enfants victimes d'un incendie, les jours des jeunes filles sont-ils en danger, où étaient ses parents? Ouais, dans une grange du domaine victorien, l'incendie de... Oh tiens, un incendie. Oh tiens, des dessins d'enfants. Oh tiens, je me rappelle m'être cramé, putain, il y a un enfant qui... Ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais, bienvenue dans le manoir de Resident Evil. Spencer, je sais que t'es là. What a mansion. What a mansion. It's a dining room. Hey. Hey. Non. Putain, et voilà, il y a la porte et tout, il y a plein de portes. Putain, on va finir dans le manoir, Spencer. Non, là, on est dans Eternal Darkness, putain. Je m'en doutais, je savais bien que j'avais vu tout ça quelque part. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se rapproche vraiment pour la suite des aventures de moi. Et en attendant, putain, j'espère enfin sortir de ce cauchemar.